Bonjour, c'est ADS Elouba pour un nouvel épisode sur SkyChange. Alors derrière, nous avons fait un peu de mécanisme. J'ai continué, j'ai installé pas mal d'éoliennes. Je sais plus combien, d'ici je dirais 7 peut-être, plus le panneau solaire. Bien en hauteur pour qu'elle produise un max, de manière à être un peu tranquille. J'ai aussi attends, il n'y a plus de charbon. J'ai aussi continué à préparer de l'acier. J'ai fait des alliages enrichis. Voilà, hein. Je sais plus trop. Ah oui, et là, ça a continué à progresser, sachant que à chaque fois que je peux, je rajoute ici de quoi produire. C'est-à-dire que voilà, en fait, je fais ça. Hop, là, je vois que je peux faire un collecteur de plus. Alors, je le rajoute et hop, ça augmente un petit peu la gestion de MC. De manière, petit à petit, bah, être peinard de ce côté-là. Voilà, en gros, ce que j'ai fait offline. Et nous, on va continuer maintenant, tout simplement, notre quête technologique avec une chambre d'enrichissement, une fonderie, un broyeur et un compresseur, plus un avancé de tiers installeur. Ah oui, si, autre chose, j'ai aussi... réduit l'énergie pour chaque, donc avec des petites cartes qui augmentent l'énergie, donc ça évite de dépenser trop et de pouvoir comme ça être blindé un peu plus, et deux de vitesse pour chacune. Voilà, c'était le petit bonus tranquille. Alors je vais prendre sur moi tout ce que j'ai pour l'instant et on va voir un petit peu. Alors, on va sur mécanisme, tout ce que nous avons besoin de faire. Alors mécanisme, par contre, je suis un peu déçu, j'ai toujours pas eu pour l'instant de il faut du verre. J'ai toujours pas eu de... Ah ben au moment où je le dis, il y en a plein. Bon, moi, j'ai plein d'animaux. Bon, bah, on faudra peut-être qu'on fasse joujou pour voir si on peut se faire de l'EMC en masse. On fera... Après avoir fait cette petite quête, on pourra s'amuser à ça. Alors, on doit faire, on disait, enrichissement, compresseur d'océanium et le four, la fonte, ça doit être celui-là. Fonderie alimentée. Donc il nous faut 3 boîtiers. Il me faut un peu d'océanium. Hop, on va se prendre un stack. Allez, on est ouf. c'est parti. Donc du coup l'idée, c'est déjà d'avoir 3 boîtiers comme ça. Voilà. Pour faire la quête. Sachant qu'on on a déjà le broyeur. Donc l'enrichissement, il nous faut de la redstone. Hop. Il nous faut quoi? Cela c'est... oh, c'est une redstone. Ah, j'ai pas fait du tout de ça. On va reprendre de la redstone. Voilà. Non, c'est pour en mettre dans celui-là. Et on va en faire un petit peu. Ce qu'on peut faire du coup, on va... Alors, je me souviens de la dernière fois que j'ai fait une bêtise. Je sais pas trop si j'ai perdu ou pas... comment ça s'appelle déjà? Project le clean. Non, je l'ai pas. Ah, pourtant je l'ai foutu dedans, je crois. Ah, ça garde pas le craft. Et je vais pas pouvoir. En plus, ça, et non, c'est pas que ça manque, c'est que j'ai plus assez de MC. Bon, on va aller faire de la MC tranquillement tant que. Ça se prépare, on va aller se faire un petit peu de MC pour refaire du claim, pour pouvoir refaire du truc. Hein, allez, on est parti. J'ai même pas un arc, mais j'ai entendu un cochon. Donc avec un peu de chance, j'en ai un ici. Non. Bien sûr. Donc il va falloir y aller. Comme un bourrin. Salut. Ouais. J'essaie d'améliorer un petit peu le système, je suis pas encore sûr à 100% du truc. Vous voyez, là, je perds l'aggro. Je pense que je suis pas... En termes de distance, je dois pas être encore super bon. De toute façon, on a pas besoin de beaucoup de MC. Le but, c'est pas de les faire tomber à l'infini. Donc, on va pas s'embêter plus longtemps. Hop. Faut aussi que je me fasse de quoi récupérer l'XP, là. Tranquillement. Ah, j'ai pas eu tant de choses que ça. Zut. Est-ce que ça va suffire pour le claim? Oui, ça suffit. Ça suffit. Bon, j'ai plus rien du tout, par contre.
On va du coup refaire. Ah, j'ai des pépites d'or encore. Je pense que ça devrait suffire de toute façon. Là, le but c'est de justement tester d'avoir un villageois et idéalement un villageois qui veut du blé. Un truc comme ça, quelque chose qu'on a. Pour. Ouais, on va. Alors, lui, on est où? 11. On va tenter d'avoir un petit villageois vite fait. Hop. Je veux avoir aussi ça dans les mains pour y penser. Pour être, enfin, pour voir la. Nickel, voilà. Premier coup, premier villageois. La côtelette, donc vous voyez, côtelette c'est 1000 et on échange 16 000. Donc déjà, c'est pas mal. Là, 960, on échange 16 000. Donc, on va aller prendre de la viande crue. Hein. En parlant de viande crue, je pourrais prendre si la vente tout court. Alors, poulet. Je vais m'en prendre un d'ailleurs. Ouais, c'est bon. Hop, tac. Nickel. Ah, on a un compresse mouton. C'est qu'il y a un mode qui. Hop là. Voilà de l'MC bourrin. Il y a le mode qui gère les trucs de compression qui, du coup, donne des animaux compressés. On va voir un petit peu ce qui est. Ce qui, est-ce que. Je vais pas donner des nouveaux trades? Ouais. Du charbon, 2000, 16 000. Ah, pour l'instant, c'est plus intéressant de trade de la viande. Faudrait que je me fasse une petite table portative. Donc j'en pose une là-bas. Mais voilà comment, hop, en termes de MC, se remettre bien. Hop, on peut tout de suite remettre un peu de production. C'est plutôt pratique. Bon, je vais pas vous montrer ça en boucle, hein, vous avez compris le principe. On va avancer sur nos quêtes. Mais c'est quand même une bonne façon d'avoir tout simplement de l'EMC tranquillement et de pouvoir comme ça avancer peinard sur vos petites quêtes. Allez, il faut du fer. Bon, allez. Peut-être pas un stack, on va se garder un peu de MC quand même. Même si maintenant on a pas besoin d'aller dans le nether, on pourra se faire un petit échange vite fait. Ok, chambre d'enrichissement, c'est fait. Il nous faut deux seaux. Un. Deux. On récupère tout ça. On avait. Item manquant. Ah oui, c'est cela. 1, 2. La bonne technique pour sortir la table de craft. Voilà. On avait dit qu'on nous manquait le four. Broyeur, digiteur, base, c'est celui-ci qu'on veut. Voilà. Il faut qu'on récupère ça. De là, est-ce que j'ai besoin de broyer quelque chose pour le dernier? Hein, détecte, bien sûr, tu ne détectes pas. L'Advanced Tier Installer, je sais pas ce que c'est celui-là. Pour le coup. Est-ce que j'arrive à le voir ou est-ce que je vais faire la recherche? Je ne le vois pas. Le voilà. Alors, deux circuits de plus, on a ce qu'il faut. Et une planche, s'il vous plaît. Hop. Advanced Tier Installer. Ah, c'est pour augmenter les machines. Donc la quête complétée. Nickel. Parfait, on obtient. De quoi les rendre moins bruyantes. Du coup, on va avoir une fonderie alimentée. Ça, c'est cool. Parce que ça évitera de tout passer par notre pauvre petit four. Voilà, on va tout. Alors, il faut. Celui-là, il faut le tourner. Sauf que je sais toujours pas. Je rappelle, toujours pas chercher. Ah, tu vois, un infuseur, j'en avais un. C'est que j'en avais. Ah, j'avais un infuseur de plus. Ok. Bon, hein, c'est la rage totale pour l'instant. Et donc, du coup, ça, j'imagine que. Peut-être plutôt. On va regarder. Ouais, sur la fonderie. Non, pas comme ça. Est-ce que c'est comme ça? Non, je ne peux pas. Je ne sais pas comment fonctionne l'Advanced Tier. J'aurais dit que c'était pour le tiers suivant. Mais bon. À voir. Peut-être que je. Je ne sais pas. Alors, il nous faut maintenant un câble universel de base, un tuyau mécanique de base, un tuyau pressurisé de base, un logistique de base, un trieur et le configurateur. Ok.
C'est parti, donc on reprend le mécanisme. Mecha. Alors, l'universel tuyau. Bon, je dois en faire, j'ai. Bien sûr. Ah, mais si je me mets pas sur le bon truc, c'est pas. Hop! Donc le premier, ok. Ensuite, bon, on va prendre chaque tuyau par un, ils font un saut. Donc ça, c'est pour les liquides. Voilà. On continue avec. Alors, précieux, je crois que c'est le gaz. Hop. T'es où? Le voilà. Mais je suis plus dans la table de craft. Mais bien sûr. Au pire, on fait comme ça. Ah, voilà. Quand on a la flemme. Ok. Et il nous reste. Je sais plus le nom. Transporteur logistique de base. Oh non, c'est bien. Alors, conducteur, non. J'en ai bien que 3, ouais. Tube. Transporteur logistique de base. Le voilà. Pour les items. Cyber. Le configurateur. Qui est là. Alors, il nous faut. On l'a vu. Un bâton. Non, avec un accent sur le bâton. Il nous faut des batteries. Je sais plus comment on les craft aux batteries. De toute façon, on va faire en automatique. Mais il nous faut une petite batterie. C'est-à-dire qu'il nous faut 3 lingots d'or. Voilà. Oula, on a plus. Ouais, on lui rendra des trucs. On va lui rendre des trucs et on va. Ah, non, c'était là-bas. C'était. Hop. Voilà, il nous faut du lapis. Alors, du coup. Je sais même pas si je l'ai le lapis. Là en plus je dois plus pouvoir faire grand chose, notamment j'ai. On va lui rendre un peu de tout pour. Mais le lapis, je crois pas que je l'ai besoin. J'en ai besoin encore. 800, bah donc on l'aurait si. Si c'était là. Alors oui, donc ok, faire que des minerais, c'est gentil, mais je peux pas faire que des minerais. On l'obtient avec le gravier. Eh ben, je l'ai pas obtenu encore. Vous savez quoi? Va falloir passer du gravier. Zut. Ah bah, y en a encore dedans. Ouais. Donc, il faut obtenir du gravier. C'est un peu relou. On va voir si on obtient vite fait. Un peu, en plus, oh là, avec le gravier, qu'est-ce qu'on obtient trop de trucs. C'est horrible. C'est tout, ouais, c'est bon, j'ai pas l'adresse, c'est moi qui les ai. Ouais. Un petit diamant. Ça c'est cool, parce que c'est fait de l'MC. Enfin, le petit diamant il fait plaisir. Le reste on s'en fout un peu. Enfin, tout ce qui donne de l'MC, bon, bah ailleurs. C'est toujours. Même si j'imagine qu'on est au même, mais là par contre 8000 avec un petit bloc de de gravier. Qui doit être à 1 ou un truc comme ça. 4. Ah, le quartz, je suis même pas sûr que j'en avais. De l'or, bien sûr, toujours de l'or, pendant qu'il y a de l'orage dans le jeu. Mais bon, l'avantage, c'est que je suis dans un coin où je vous voyais pas la pluie, et donc ça ne fait pas une qualité toute dégueulasse. C'est déjà ça de gagner, parce que je ne peux pas passer la pluie, hein, je n'ai rien pour ça. Enfin, faudrait peut-être. Bon, juste la commande. Peut-être la commande si jamais j'ai besoin de vous montrer la zone où il pleut. Bon, par contre, si on pouvait avoir de la pisse sans passer 3 plombs et devoir mouler pendant des heures. Écoutez, ce qu'on va faire, hein, c'est qu'on va sauter le temps que je chope la piste et je reviens. Et ça y est, enfin, heureusement que j'ai pas laissé tourner parce que ça a été vraiment la misère. J'ai eu 3 diamants, hein, avant d'avoir droit à la piste. On va penser à le sauvegarder. J'ai même créé une mèche en iron pour faire des tests, mais ça n'a pas fonctionné. Donc on va bien sauvegarder tout ça. Hein, voilà. Le bon petit lapis qui fait plaisir. D'ailleurs, je pourrais. Ah non, je crois pas. Je peux pas augmenter encore ma production. Hop, reviens à toi. Alors, on vire le gravier. On a le lapis, donc on va pouvoir faire le configurateur. Hein, vu que c'était donc pour ça que on en avait besoin. Voilà. Et le dernier élément pour cette quête, c'est le trieur logistique. Je crois que je l'ai jamais utilisé, le trieur. Hop. Il faut un piston. Alors, piston, il nous faut de la pierre.
Il nous faut du bois. Je reste toujours dans Minecraft la quantité de bois et de pierre qu'il faut. Donc en général, j'en prends 4 de chaque. Je prends une I. Et hop, au moins, je suis sûr d'avoir mon piston. Le piston, on va l'apprendre parce que c'est pas la seule fois, je pense, qu'on en aura besoin. On risque d'en avoir besoin régulièrement. Et hop, nous voilà avec une quête. Pourquoi j'ai pas la quête? Si, c'est bon. J'ai la quête. Ok. C'est quoi? Ah, il y a autre chose après. Il y a autre chose. Ok, c'est pas fini. Ah voilà, get update. Donc il nous faut un basic energy cube. Ah, je cherchais ça l'autre jour. Parfait. Il faut que j'en fasse un basic. Et ben voilà. Un réservoir. Et en gros, tout ce qui est réservoir, quoi. Donc, basic energy cube. C'est parti. Deux tablettes. Donc il me faut 6 d'or. Heureusement qu'on s'est fait quelques diamants. Ça c'était cool. Hop. Alors, tant qu'on est là, le réservoir ça va, c'est facile. Hop, c'est fait. Et ça avec du fer. Ok, bon ça va. Tranquillou, tranquillou. On peut donc avoir notre réserve de liquide et du coup on va voir pour le basique. Tac. Il lui manque toujours du fer. Hein. Hop, vas-y. Donne-moi un stack, au moins on sera peinard. On fait le petit boîtier, il n'y a plus de verre. De l'osmium. Ah tiens. Hop. Non, j'en avais. Donc ça c'était une erreur de ma part. C'est pas grave, où te caches-tu? Tu es là. Donc ça. Et hop. Et donc là, on va d'abord s'assurer d'avoir la quête. Ah, amélioration de vitesse et d'énergie, ça c'est plutôt cool. Et du coup, bah, la batterie. Alors le truc de mécanisme. Voilà. Ça se recharge. Donc là, on voit que toutes les machines sont déjà full. Et lui en a plein. Donc ça c'est cool. Ok, ça, je produis quand même pas mal là-haut. Je vais être quand même plutôt peinard. Donc voilà, le trigger logique, je sais même pas à quoi il sert. Ok, ouais, ça va être le même principe que l'appareil qui permet de miner dans le sol. Va falloir qu'on se fasse un petit coffre spécial mécanisme. Chest. J'ai du mal à me faire que. Hop, on va y mettre tout ce qui est attrait. À ce mode-là, comme ça, quand on en aura besoin pour faire des choses, on pourra. J'ai pas remis le biogénérateur, hein, c'est comme celui-là, je vais pouvoir le casser. Ok, on peut continuer. Non, c'est boulet. Les quêtes de mécanisme. Ah, ça c'est quand même pratique. Bon, l'arc et le lance-flamme un peu moins, mais les assembleurs, ça j'aime bien. Mais alors, je sais pas, à mon avis. Je peux prendre il me faut de l'or. Ouais, ok, j'ai plus assez d'or. Donc, on a dit que quand on a plus assez d'or, on prend plein de poulets. Et l'autre, c'était du cochon, je crois, hein, qui voulait. Ah, viande. Ah, c'est quoi déjà le nom du. Du porc. Du porc. Du porc. Voilà. Hop. On va être raide un peu. Pour avoir ce qu'il nous faut. Salut toi. Hop. Voilà. Voilà. Tu veux plus? Voilà. Parfait. Les trades suivants sont pas intéressants. Mais là, on vient, mine de rien, de se faire 200 000. Hein? 200 000, on est plutôt content. Surtout qu'on peut déjà, d'ores et déjà, se dire qu'avec 200 000. Avec 200 000. Hop. Alors d'ailleurs, on va peut-être se faire un petit plaisir. Petite pause dans mécanisme. On retourne sur Project E et on va faire celui-ci. Il faut de la matière rouge. La matière rouge, ça se fait avec de la matière noire. La matière noire, ça se fait avec un bloc de diamant. Mais je pense qu'on l'a, un bloc de diamant. Ah, mais j'ai eu la matière noire déjà.
Mec, il sait plus ce qu'il a fait, ce qu'il a pas fait. Il m'en faut 3. Hop. Donc j'ai pas ce qu'il faut. Putain, c'est autant que ça le suivant? 700? Ah oui, j'ai pas 700. Ok. Je me voyais plus beau. Bon, déjà, ça me fait un petit générateur de plus. Tu vas me dire, j'ai 25 000, j'ai 50 000 de plus. 50 000, ouais, c'est bon. Ah oui, c'est 2, mais. Sauf que. Est-ce que ça. Je crois qu'il me faudrait un. Non, il me faut un. Il me faut un autre. Donc ça, j'ai pas. Il me faut ça. Il me faut ça. Hop, on verra plus tard. Ok, déjà. On continue avec sa reproduction. C'est cool. Et. On a quand même de quoi se prendre 35 d'or. Je pense pas qu'on ait besoin d'autant. Je pense pas, mais au moins. Hop, on est parti. Batterie. Une. Tant qu'on y est, lance-flamme, pas besoin de batterie. Un réservoir de gaz basique. Ça, par contre, on va passer à le recrafter. Hop. Voilà. Et le dernier, c'était l'arc. C'était l'arc. Ah, l'arc, remarque, ça peut me permettre de. Peut-être. Ça peut faire de poule à l'infini. Et donc, il faut bien une batterie de plus pour l'arc. J'ai plus de redstone sur moi. Redstone, hop. Recharger un peu. Ok, donc bien sûr. Voilà, ça c'est fait. On peut remettre l'or dedans. On est peinard. Alors, lui, il a besoin d'un alliage. Ah oui, il faut passer par de la redstone. Alors c'est quoi? Il faut mettre l'obsidienne dans l'enrichissement. Dans l'enrichissement? Est-ce que j'en prends beaucoup? Non. On va s'en faire 16. Allez. Parce qu'après, ça coûte cher en diamant aussi. Hein. Ça coûte cher en diamant. Alors, du coup. Non, c'est pas le compresseur. C'est dans celui-là? Ok. Diamant. Alors, le diamant, l'astuce, c'est de ne pas l'utiliser directement dans mon infuseur. Parce que ça serait vachement. Ça serait ça coûterait un coût vachement plus élevé. Du coup, pour avoir. Alors, c'était lequel qu'on avait besoin, je sais plus. C'est lequel qui veut du. Non, c'est celui-là qu'on avait besoin. Parce qu'on a vu que là, il nous faut de l'obsidienne dust raffinée. Et il faut du diamant. Et vous voyez, il y a deux portes. Il y a du diamant, mais aussi du diamant compressé. Et le diamant compressé, en fait, c'est vachement plus intéressant. Alors je connais pas les chiffres mais c'est vachement plus intéressant. Donc on va le compresser. Ok, toi t'as fini. Enfin t'as fini. Ça suffira pour l'instant, on ira en fera la suite d'ailleurs. 8, j'en ai fait 16, donc ça augmente la quantité? Je sais plus. Voilà. Donc là le diamant compressé, si je le mets là-dedans, vous voyez ça me fait 80 diamants. Je sais pas combien de diamants m'aurait fait. Mais bon, au moins on peut avancer tranquillement. Voilà. Ça sera la machine dédiée au diamant tout bêtement. Touk, pendant que l'une traite, hein, voilà. Donc là on commence à avoir de la raffinade, on va la remettre dans la chambre d'enrichissement après. Parce qu'on a vu que si on la remettait, on obtenait des petites plaques. Ah par contre, est-ce qu'il y en a qui est vide? Charbon, il y en a encore masse, redstone, il y en a masse. Ah, bon, je vais faire une petite pause. Et puis je vais préparer tout ça. Ce sera puis on finira tranquillement l'épisode là-dessus. Ok, bien parti. Donc là, je suis en train de mettre mon alliage enrichi avec du diamant pour obtenir l'alliage renforcé. Donc l'obsidienne qu'on a compris, qu'on a écrasé, qu'on a mis avec du diamant, ça nous a fait du raffiné d'obsidienne que j'ai transformé en obsidienne compressée. Qui me permet d'alimenter cette machine et dans lequel je vais pouvoir mettre mon alliage renforcé qui va donner du coup tout simplement l'alliage atomique. Il nous faut aussi un lingot d'obsidienne. Alors du coup là il faut mettre obsi plus raffined. Alors il faut que je fasse gaffe. Ah, ok, trop tard, j'ai tout passé. Boulet. De toute façon j'en avais d'autres. Hein. Donc là on obtient celui qu'on avait besoin. Je crois qu'on a besoin de qu'un hein, pour l'instant. L'arc c'était pas utile et lui c'était pas utile. Donc ça c'est bon. Par contre on aura besoin donc ça de le passer. Ouais ok on se calme. Là-dedans tranquillement. Et ici on pourra mettre donc notre petite obsie.
Notre petit aussi merde. Ah non, parce qu'il est boulé. Il me reste plus entièrement là, 180. Donc voilà, normalement là-dedans il faudrait que je mette aussi le charbon, le redstone pour économiser. Bon, le diamant ça coûte cher en EMC donc je prends le temps de faire les choses comme il faut, mais après pour le reste faut pas non plus. On est dans un mode comme où on est actuellement où là je viens de générer 16 000. Bon, normalement on sera plutôt peinard. On sera plutôt peinard. Donc, l'outil qu'ils nous ont demandé en premier c'était. Je le vois plus. Excusez-moi, bon, on va faire l'arc en premier, hein, parce que c'est ça. Puisque c'est ça, puisque je suis un aveugle. De toute façon, faut faire les trois, peu importe dans quel ordre. Sur la table de craft, c'est mieux. Donc, l'arc, c'est fait. Le assembleur, c'est fait. Et lui. Alors, on a des lingots d'étain. Normalement, de l'étain, on doit en avoir. Hein, ouais. 1, 2, 3. Et voilà pour. Non, ça c'est le propulseur. Oh, je suis en train de dire des bêtises là. Ça, ce sera. C'est pas le propulseur qu'on a besoin, c'est du lance-flamme. C'est le lance-flamme, lance-flamme, lance-flamme. Où est-ce qu'il est? Oh, je te vois pas. Là. Le lance-flamme. Alors, le lance-flamme, il fait un étain de plus. C'est dommage. Après le propulseur pour pouvoir voler, on le fera au prochain épisode, hein, ça sera quand même. Ça va être indispensable. Briquet, bronze. Alors, briquet. Et bronze, vraiment du bronze? Ah, du bronze, il faut. Oh, il y a de l'étain dans l'infuseur pour faire le bronze. Ah, je connaissais pas cette recette. Ah, bah zut. zut, parce que là, ouais, c'est ça, c'est le lance-flamme. Donc il nous faut du copper, de l'étain en plus. Ah c'est ballot. Hop, donc l'étain. Non, pourquoi pas les 4. Embrayer 2. Ah mais du coup j'ai du diamant là, j'ai de l'obsidienne là. Je sais pas ce que je vais. Il va falloir que je vide un infuseur ou je manquerai un autre. Allez, soyons fous. On prend deux fours. Au moins, on fait pas, on ne jette rien. Je me gourre toujours. Ok, très bien. Hop, je vais pas le faire. Allez, ce sera un épisode un peu plus long que d'habitude. Mais bon, on aura fait plein de choses. On aura vu vraiment plein de trucs de mécanisme en très peu de temps. Voilà. Donc là, on est bon. Donc on récupère ce que le broyeur nous a donné. On le met dedans. Et le but, c'était d'infuser quoi? Ça. Oui. Voilà. On peut très bien. Ouais, non, je peux pas faire que j'ai envie d'accélérer. Je préfère accélérer le four pour plus tard d'ailleurs. Le four, il sera cool de l'accélérer. Vitesse. Par contre, vitesse sans énergie, ça va être un peu relou. Ok. Cette fois-ci, on a ce qu'il faut pour le lance-flamme. Pourquoi tu veux pas? Item manquant. On a réservoir de gaz basique. Ouais. Ah, circuit de contrôle, on n'a pas. Mais j'ai un bug visuel, je voyais pas ce qui manquait. Ok. Et voilà. On a droit à un petit ballon. Donc il nous restera à faire le séparateur hydraulique pour faire propulseur les bottes et les propulseurs, donc pour voler. Et un petit laser, un petit robot et une plaque de rechargement. Des trucs plutôt fun pour dont voilà. Alors du coup, on a quand même obtenu. Est-ce que je peux. Ouais. Voilà, donc ça, c'est quand même ce qui est le mieux pour pouvoir casser des blocs et tout. On va pouvoir mettre la pioche. Oh, ma pioche. Ma pioche. Elle vole. La pioche va pouvoir finir. Hop, là-dedans et me faire des MC. On va essayer de d'ailleurs un peu cleaner tout ce qui va dedans. Pas grand-chose.
Voilà. Donc ça c'est cool, parce que ça sera quand même utile. Le configurateur, il peut être pratique, mais bon là dans l'occurrence on va pas trop s'embêter. Voilà, bon on a vu quand même pas mal de trucs aujourd'hui, parce qu'on a vu comment accélérer grandement la production de MC grâce aux villageois, tout en gardant là en tête la production automatique qu'on améliorera, qu'on mettra ailleurs, parce que là on va pas avoir la place de construire. Mais et pour ça, il faut qu'on atteigne le tiers suivant. Techniquement, si je spamme le villageois, je pense qu'on va se faire plaisir. Allez, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de partager, pouce bleu, commentaire, parce que plus on est fou, plus on construit. Bye bye.